love you. I was dying in your arm tonight. Ça commence demain, mais le Twitch, man. Triste. Triste, en effet. En tout cas, le Twitch, il joue sur notre site. Ah, oh, il joue partout, man. All around the world. Faire comme l'annonceur du annonceur de la boxe, là. Comment il s'appelle? Steve Buffer? Buffer? Michael Buffer? Ladies and gentlemen, boys and girls, viewers all around the world! Ça a bien sorti sur le coach. Garde la cote. C'est pour ça qu'on le part d'avance, man. C'est parce qu'on a tellement de belles choses à dire. J'ai hâte d'écouter ta synthèse que t'as faite de 3 pages et lis sur le match d'hier, là. Ah, va chier. Mais moi, il écrit ouf, pratique-le. Ouais, Sam, arrange-toi pour que ton écran reste allumé, parce que sinon, ça fait un lightning fucked up. Ben, essaie de mettre ta tête plus haut un peu. Sinon, dis-toi que ta tête sur. Mais non, ça va être trop basse. Check nos têtes, comment ils sont hautes dans l'écran. Faut être dans le haut de la partie. Une grosse tête, là, pour faire HSL. Ouais, faut juste descendre, c'est ça, carrément. Montre-moi ta verge. Ça même va être parfait. Ouais, puis ton écran, faut qu'il soit allumé. Chris, il fait-tu noir chez vous, Sam? Ton écran côté, là, ton écran côté d'ordi, il faut qu'il soit allumé, parce que sinon, regarde, t'es trop dark. Mon écran d'ordi, ta lumière. T'avais une lumière à côté que t'as allumé, il y a quelque chose que t'as allumé tantôt, puis t'es... Non, j'ai rien fait, moi. Dark. C'est, ça, là? Ouais, exactement. Ouais, c'est parce que c'est quand que je vais sur Twitch, vu que c'est noir. Ça, c'est Twitch. Ça, c'est Sportsnet. Laisse-la Sportsnet! Vous mettez en plus petit. Ah, t'as bon juste à mettre une lampe. Bon, on va y aller. Allez, il va dans 3, 2, 1. Parti. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Hockey sans limite. Avant-match ce soir, les Canadiens qui reçoivent la visite des Panthers de la Floride. Les Panthers sont en ville. Il faut dire que, hey boy, ils ont plus d'air de des petits chihuahuas de cet incite. On va en parler un petit peu plus. Je parle pas contre les chihuahuas. Ouais, c'est vrai. J'ai même pas pensé. Le pire, c'est que c'est même pas... C'était comme une joke. Une joke. C'était pas drôle. J'avoue. Surtout quand ton chat mange du chocolat, on sait qu'est-ce qui arrive. Donc, c'est ça. On va revenir sur le match de hier. Moi, j'ai écouté que 22 minutes. J'avais un meeting, comme je vous avais dit, qui a été un peu plus long que prévu. Il paraît que j'ai manqué un nasty game de hockey. J'ai réussi à pogner la fin, dont le but gagnant de Jeff Petrie, qui a fait du paternel, comme on dit, malgré que son père était lanceur au baseball, si ma mémoire est bonne. Et les lanceurs vont pas souvent au bâton dans le baseball. Fait que, puis sont pas, normalement, ils sont pas des grands frappeurs. Donc, faut dire que Petrie, il doit avoir appris de notre école parce qu'il a marqué un superbe but en overtime. Ça n'a pas été long. Le but en fin de troisième période, disons-le, il a fait chier un peu. Mais le Canadien, encore avec du caractère. Je vous présente tout de suite mes panélistes. Samuel, Élie et le Boucher. Comment qu'ils vont, les boys? Vous êtes en forme après cette belle victoire du Canadien hier contre les Bruins? Fuck les Bruins, je suis tellement content. La seule affaire, c'est qu'on a donné trop de fun aux partisans des Bruins en leur laissant aller en prolongation. Mais oui, on les a battus au final. Ça fait que je suis bien content. Je suis content d'être là, même si c'est la seule phrase concrète que je vais réussir à faire du show. OK, je passe la puck, puis c'est fini, j'ai réussi. Comment qu'il va, le Boucher? En grosse forme, ça va super bien. Content d'être là. Puis en plus, ben c'est ça, man. C'est pour une des rares fois cette année, j'ai visé dans le mille avec ma prédiction. Ouais. 3-2 Montréal. Puis j'invite les gens là, qui sont sur Twitch, j'ai mis le lien de la page d'hockeysanslimite.ca. Allez faire votre tour, allez voir la section boutique nouvellement, fraîchement arrivée, plein d'items, des chandails, des tasses.
bientôt des gars de Michet, des dildos. Fait que ça va être fourrade. Pas les... On va pas aller jusque là, là, je vous le dis tout de suite. Écoute, si on a une demande. Des custom made. Des custom made. Tu sais, le bout avec la face du boucher, je suis pas sûr que ça va être vraiment. On va tout se mouler le bat. Ça va être incroyable. Une section aussi de tête d'oreiller avec la photo de Sam et de piquer Soupen dans le bois. Ouais. Non, mais pour vrai, aller faire votre tour, il y a plein d'items. Il y en a d'autres qui vont venir aussi en cours au cours des prochains jours. Mais on va donner une chance à Ellie qui puisse faire une belle nuit cette nuit, dormir un beau 8 heures, puis nous revenir en force, puis compléter la section boutique de hockeysanslimite.ca. Il peut endormir 24. On n'a pas de choix avant vendredi après ça. Vas-y, Samuel, comment il va, Sam? T'es en forme? Ouais, en pleine forme. Je jouais au deck à matin, puis j'ai failli casser une autre cheville en deux semaines. Fait que c'est ça que ça fait quand t'écoutes trop de matchs entre les Bruins et le Canadien. Ça fait que tu vires un peu sale. Mais non, ça va super bien aujourd'hui. Yes. Donc, les scores parfaits, en plus de notre cher Boucher. Merci, merci. Marc-André Brault, une victoire du Canadien, un score parfait de 3-2. Il y a eu un score parfait, le vrai score parfait. On parle de 3-2 en prolongation sur le... Ah, tout est fatiguant. Hey, c'est le Pops Board. Respect, please. Ouais, respect, certain. Le Pops Board, il s'appelle Kativo Machina, qui avait prédit une victoire de 3-2 du Canadien en prolongation. C'est un complément de prédiction, oui. Parce qu'une bonne prédiction, ça serait de dire... Quel joueur a scoré? À quelle minute? C'est pour ça qu'on dit le bon score, puis on dit le bon score parfait. Parce que être parfait, c'est dire en overtime. Quand je dis que ça n'existe pas. Hier, j'avais prédit 4-2 Montréal avec un but d'un filet désert. Si Canadien avait gagné 4-2, j'aurais eu le bon score, mais j'aurais pas eu le score parfait parce que mon score parfait était 4-2 avec un but d'un filet désert. Si c'est le but n'est pas d'un filet désert, donc le score n'est pas parfait. C'est mon point de vue là-dessus. Mais les bons scores, il y en a eu d'autres. Il y a B. Beaulieu B sur le Pops Board. Sylvain Perrault, Dream Chuck, Pierre Holmes, ça? Pierre Noun. Il est un drôle de nom, man. J'ai le même. Pierre Réaume. Asti. Pierre Réaume. Après ça, j'ai Soul 1586. Et c'est pas évident avec Twitter, hein? Vraiment. Pas le monde devrait moi, vraiment. Ce que je me demande, là, c'est juste comment tu as pu voir Pierre Noun avec Pierre Réaume. Sam, fais juste l'écouter dire Vasilevski, tu vas tout comprendre. OK, c'est bon. En passant, je suis rendu correct avec lui, c'est fini. Vasilevski. Je te l'ai dit, je t'ai rendu. Je suis plus de militaire. Hein. Il a débogué dans ma tête. Tu sais, des fois, tu as un nom, mané, il n'y a pas pris. Dis ça à ton cerveau parce que tu saignes du nez là, en ce moment-là. Oui, je sais, un peu, mais ça, c'est pas grave. L'autre qui a eu la bonne prédiction, c'est. La coursière, on a fait la même, la coursière Z avec une prédiction de 3-2 aussi du Canadien. Donc, félicitations pour le Pops Board. On va avoir les prédictions un petit peu plus tard, mais on va revenir bien sûr sur le match de hier. Canadien, super victoire. Bon, comme Ellie a dit, on a donné un point aux Bruins. J'aurais aimé ça pour leur en donner. Mais bon, on va revenir aussi sur la situation qui a mené à cette égalité-là créée par les Bruins de Boston en fin de troisième période. Mais tout d'abord, je vais entendre vos avis sur le match. Donc, vas-y donc, je vais t'entendre, Samuel, là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé du match hier? Il paraît que c'en était tout un. Moi, je peux pas vraiment en parler. J'ai vu 22 minutes, fait que j'ai pas vraiment les deux premières périodes au complet. Là. Écoute, c'était un excellent game. Un vrai duel Canadien-Boston avec une bataille. Ça jouait serré. La meilleure équipe sur la patinoire, par exemple, ça a vraiment été Boston. Là. C'est eux, ils ont été chanceux d'aller chercher un point, même s'ils méritaient les deux, mais le Canadien avait les devants. Écoute, une performance extraordinaire de Carey Price. Il était dans sa game, ça n'avait aucun sens. Il a volé la game carrément. Puis les deux buts des Bruins, c'est deux tirs parfaits. Écoute, la shot à Brad Marchand, là, ça, elle avait des yeux. Là. Même si normalement, une shot de cette distance-là, Price les arrête. Là. Les bons goalers sont supposés les arrêter, mais la shot était tellement parfaite avec une superbe passe de Bergeron. Puis le deuxième but, ben écoute, tu avais DeBrus qui était devant Carey Price, puis lui tout. Price, il n'a rien vu. Il n'a jamais vu la shot partir. Puis même là, s'il l'avait vu partir, il était super bien placé. Un super tir de Krejci. Ouais. Mais écoute, super belle game intense. Puis c'est pas pour rien que c'est Delaurier qui a eu la cape du King remis par les joueurs du Canadien après le match. Ouais, extrêmement beau geste. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais super content. Tu sais, il a peut-être pas gagné la bataille. Mais tu sais, juste, c'était déjà une game intense. Mais tu voyais que les Bruins... commençait à avoir le dessus, surtout physiquement, puis à déranger les joueurs du Canadien. Puis on dirait que ça a juste donné le petit kick pour donner un petit peu plus de balls, je vais dire ça de même, aux Canadiens. Puis après ça, c'est ça, avec Gallagher qui
À toutes les fois qu'il était sur la glace contre Chara, c'était quasiment comme si les deux mesuraient ses pieds. Là. Ça n'avait aucun sens. Les batailles qui se sont livrées, c'était beau à voir. Puis tout le Canadien s'est élevé. C'est ça. Côté talent, tu voyais qu'il y avait une différence. Les Bruins, ils dominaient un petit peu plus. Mais écoute, le Canadien a été opportuniste. Biron en deep play qui a shifté Bergeron avec un superbe shot du revers. Non, ça, c'était une super belle game serrée, une belle game de hockey entre les deux clubs. Belle rivalité. Beau geste de comment on pourrait dire ça, de la part des coéquipiers, de l'avoir donné à Deslauriers. Tu sais, des gars comme Deslauriers, des gars comme ça, qui marquent pas beaucoup, disons-le, qui ont un travail un peu ingrat. Parce que Deslauriers l'a dit. Il dit là, quand je voyais que ça commençait à avancer, je me suis dit, OK, les gars sont pas assez réveillés. Fallait qu'ils cherchent. Puis ce combat-là, c'était pas. Deslauriers, il n'a pas Christine Volley. Puis l'autre non plus, il n'a pas Christine Volley. C'était deux gars qui se tapaient sa gueule. Ah, c'était un combat c'était pour hommes. Ouais, c'était intense. Puis là, je vois du monde indigné un peu partout. J'ai vu sur Twitter, on va en parler après encore une fois. Ouais, vous trouvez ça beau, des bagarres de rue dans la. C'est du hockey. Là, il va falloir que le monde commence à comprendre que ça va. Puis moi, dans l'optique de dire que j'ai entendu aujourd'hui, parce que là, j'écoute l'émission à JC, de dire qu'un jour, ça va disparaître. Moi, je crois que ça disparaîtra jamais. Je crois que ça va toujours être là. Puis au nombre de bagarres qu'il y a présentement dans la Ligue nationale de hockey, être outré d'en avoir une. Le Canadien, je pense qu'il en a 4 cette année, en 47 matchs. 4 ou 5, je pense. Là. C'est vraiment pas beaucoup. Là. Puis il y en a énormément moins. Là. Ça se compare juste pas aux années 80-90. Les gars, aujourd'hui, Deslauriers qui se bat, il est conscient des commotions cérébrales. Il sait les symptômes. Il sait tout ce qui vient avec. Il sait la job qu'il a à faire, mais il dit lui-même. Il dit, moi, j'aime ça. C'est rare de voir un tough guy dire qu'il aime ça, mais il aimait ça. Puis cette bagarre-là, disons-le, ça l'a comme viré un peu le virage. Puis Claude Julien l'a dit aussi. Il dit, ça a comme né une boost d'énergie à cette équipe-là. Puis tant mieux. Félicitations aux Canadiens. Félicitations aux joueurs. Je ne sais pas qui avait la cape qui a remis à Deslauriers, mais c'est un superbe geste. J'ai vraiment trouvé ça. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment beau à voir après le match quand j'ai vu avec la cape. Il avait de l'air fier aussi, hein. Il a joué 9 minutes 50, mais tu voyais qu'il sentait un peu de fierté dans. Waouh, ils m'ont donné la cape, les gars, là, tu sais, là. Choisis bon moment, ben non, peut-être d'autres moments, tu ne mériteras pas la cape. Ça peut arriver, on sait jamais. Il ne faut pas oublier, en plus, c'était la dernière game entre les deux équipes là, cette année. Fait que, au moins, ils sont finis les deux, deux victoires de chaque côté. Puis, non, c'était vraiment le fun à regarder, ce match-là. On les a battus 3-0, ils nous ont battus 4-0, on les a battus 3-2, puis ils nous avaient battus 3-2. c'est comme. Tu peux pas avoir une série aussi égale que ça. Ellie, tu te lances tout de suite. Je sais que ça va peut-être être un peu moins long, mais vas-y donc. Je vais essayer que ça soit au moins concis. Ouais. Mais non, c'était un bon match. C'était même un excellent match. C'est vrai que les Bruins ont parfois semblé avoir le dessus dans ce match-là, mais ce que j'ai aimé en rétrospective, c'est le fait que l'équipe n'a jamais lâché. Même si on était dominé sur certains aspects, ben on n'a jamais lancé la serviette, puis on est allé arracher ces points-là aux Bruins. C'était un match quand même intéressant à regarder du point de vue des spectateurs. J'en ai sacré une shot une couple de fois, mais je pense que ça vient avec les bons spectacles. Carey Price a été particulièrement solide, encore une fois. Le combat de Deslauriers, dommage pour lui qu'il l'ait perdu. En même temps, je pense qu'il l'a perdu, toi. Oui, il l'a perdu. Gros respect d'être revenu après avoir été rocké par un coup. On le sait que Deslauriers revient d'une blessure au visage. On sait à quel point ça peut être, ne serait-ce que psychologiquement, difficile pour un gars qui se bat d'avoir à. Je sais pas comment dire, à se faire mal lors des combats, surtout lors de son deuxième. Mais en tout cas, en bout de ligne, je pense que le fait qu'il a reçu la cape en dit long. C'est un combat stratégique à un moment précis du match, même s'il n'a pas dominé ce combat-là. Le fait qu'il soit allé à donner du boost à l'équipe, chapeau au gars d'être allé chercher la victoire, puis à Petrie d'avoir fait un but quand même assez exceptionnel. Cette valeur, je ne l'ai pas en clip ici. Mais c'était quand même assez beau à voir. Non, je suis satisfait. La seule affaire, comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est le fait qu'on ait échappé la victoire en fin de match. Mais ça, la punition qui a été donnée... On va en parler. On va avoir un débat là-dessus. Ouais, on va avoir un débat là-dessus. Je vais lancer le boucher tout de suite. Vous savoir comment il a trouvé son match, lui. Le dernier match de la saison, ça aussi, on va en parler. De savoir qu'il nous reste encore 35 matchs à jouer et qu'on n'affrontera plus Boston. Ah, c'est poche, hein? C'est poche. Faut le dire. Quand on a affronté Ottawa, on a dit la même chose. Je vais dire la même chose pour Boston. Vas-y, le boucher.
Ben écoute, ça a été un match absolument incroyable. Là. Je veux dire, Boston qui ont quand même fait 70 tentatives de lancer. Il y en a 43 qui ont pogné le net. Canadiens 50, puis 23 qui ont pogné à la cage. C'était un match serré, c'était un match de play-off, si on va le dire dans même. Mais écoute, le Canadien a gardé sa tête comme la noun d'une Asiatique. C'était magique. Celle-là, c'était pour Mike. Dédicace, Mike. Mais non, c'est ça, écoute, un match vraiment incroyable. Puis c'est ça, la petite pénalité. Là, je sais que tu vas en reparler. Je sais pas si tu veux que je lance le point tout de suite, là, vu qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire sur la game. Mais des pénalités de même, là, que ce soit à Montréal ou dans n'importe quel style d'autre. C'est plus. Tu sais, ils appellent ça delay of game, là, dans le fond, là, avoir retardé le match. Là, mais c'est plus long qu'à la pénalité, placer les affaires, que juste faire un face-off. T'sais. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est des pénalités stupides d'invention de règlement de marde. Mais ça, c'est mon opinion sur le sujet. Là. Oui, en effet, c'était vraiment un excellent match, il faut le dire. Je vais revenir sur le sujet parce qu'on a eu le débat hier sur le chat de HSS. Je sais que vous deux, vous étiez contre cette idée-là. La punition de Chaput. Bon, disons-le, il se sentait vraiment mal. C'est clair. Mais le geste qui a été l'envoyer la rondelle dans les estrades pour retarder le match, moi, je suis pour ce genre de pénalité-là parce que les joueurs sont tellement rendus skills. Si tu permets un joueur de domper la puck dans les estrades, je vous garantis que les games vont durer une demi-heure de plus. Aussitôt qu'il va y avoir un rush, les gars vont pogner à la puck sur leur palette, puis ils vont encore lisser dans le filet, puis ils vont n'avoir rien à foutre. Parce que les gars ont tellement rendu avec de talent que c'est facile à faire lever la rondelle. Là. C'est vraiment facile. Pour moi, c'est un must qui a mis ça parce que ça n'aurait juste pas de bon sens. Aussitôt qu'une équipe serait dans notre zone, là, moindrement, là, Weber ou n'importe qui mettait pas la puck, pack dans le filet, le jeu est arrêté, fait un changement, that's it, ça arrêterait de même. Moi, c'est mon opinion là-dessus. Je vais avoir votre opinion là-dessus. Je sais que vous trouvez que c'est des punitions qui sont un peu stupides, donc je vais avoir votre avis là-dessus. Allez-y, les boys. Vas-y, Boucher. Bye. Ah, vas-y, ben, Sam. Écoute, allez-y, un, deux, après Gabin, je vais bon, ben, je trouve ça niaiseux parce que je trouve que c'est ça, comme j'ai dit, c'est quasiment plus long, tu sais, appeler la pénalité, aller au centre de la glace, que là, l'arbitre ouvre son mic, qu'il colle la shot, qu'on reprend. Je sais pas, c'est pas comme si ça avait été fait. Je sais que là, un règlement, c'est justement fait pour pas laisser place à interprétation, mais Chaput n'a pas fait ça parce que... est à bout de souffle. C'est vraiment juste une erreur de visuel, le style de visu. Chris, il a voulu pogner la baie vitrée, puis ça a passé drette, puis ça a été dans. Fait que, en tout cas, c'est un règlement, je trouve, qui retarde plus que d'autres choses. Puis ça a permis, justement, c'est ça, tu sais, aux Bruins d'aller chercher un point. Puis heureusement, ben, pour une fois, ça a viré à l'avantage du Canadien en prolongation, mais c'est une pénalité que je trouve tout le temps bien plate à regarder parce que, bon, oui, c'est qu'anciennement, on se servait de ça quand les gars avaient la langue à terre puis ils ne savaient plus où donner de la tête, mais là, dans ce cas-ci, c'était pas vraiment ça. Fait que c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Tom? Écoute, moi, ce que je trouve niaiseux, là, c'est que, tu sais, une pénalité, pour moi, c'est vraiment quand que tu t'accroches un adversaire, un geste, tu brises un bâton, tu sais, quelque chose qui doit être puni. Tandis que ça, je vois plus ça comme un icing. Pourquoi c'est pas géré comme un icing? T'as pas le droit de changer, tu refais un face-off dans ta zone, that's it, mais on passe à autre chose. T'imagines une séquence que ça arrive 4-5 fois en ligne? Pack, icing, ouais, on change pas, pack, icing, pack. C'est quoi la différence entre ça puis la dégager à l'autre bout? T'sais, c'est comme un icing, dans le fond. Là, t'as pas, t'as pas posé d'application. Je peux comprendre, mettons, là, avant, là, en tout cas, de mémoire, cette pénalité-là, elle a tout le temps existé. Mais avant, c'était uniquement quand c'était le gardien de but qui l'envoyait dans les estrades, que là, il y avait un 2 minutes de delay of game. Ben moi, pour moi, c'était parfait, mais après ça, si tu gères pas quand ton défenseur l'envoie dans les estrades, ben là, c'est là que tu as un problème. Fait que là, eux autres, leur solution, ils ont donné de donner une pénalité. Moi, j'aurais géré ça plus comme un icing, justement. Tu n'as pas le droit de changer. Il n'y a pas d'arrêt de jeu. Il n'y a pas de pause publicitaire pendant ce temps-là. C'est la même affaire. T'es brûlé, tu fais ça, ben tu restes à la glace pareil. Fait que, tu sais, il n'y a pas personne qui s'en va au banc puis tu n'es pas 2 minutes en deep play. Fait, moi, c'est plus de même que je le gérais. Fait que pour ça, je trouve ça niaiseux comme règlement, là.
Moi, personnellement, si je vais te poser la question d'une autre manière, est-ce qu'un joueur a plus de facilité à la mettre dans les estrades qu'un gardien de but? Pour moi, oui. Moi, le gardien, je le punirais pas. Parce qu'un gardien qui réussit à colisser la puck dans les estrades, là, ben bravo, gros. Bravo, man. T'as des skills pour pouvoir la colisser dans les estrades, ben bravo. Demande pas à un petit Miami de pogner la puck et à crisser par dessus les estrades, là. Il y a de la misère à l'arrêter. Écoute, il y a de la misère à faire une passe à la palette, elle va tirer, puis elle va voler dans le bas de la bande, puis il va faire coller, ça n'a pas levé assez. Tu comprends? Price va pogner, va crisser. Bishop va pogner, va crisser les estrades. Moi, je comprends. Le gardien, moi, là, je le laisserais lousse. Je dirais, tu vas crisser dans les estrades si tu es capable d'avoir le temps en arrière de ton filet de la prendre. Parce que si le gardien va chercher la rondelle en arrière de son filet, pour la crisser dans les estrades, il faut qu'il y ait un temps, un certain temps de réaction. Si puis ça veut dire que le gardien n'est pas sorti de son filet pendant que l'autre équipe fait un rush offensif, c'est sûr, là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression qui se fait contre lui. Si tu es capable de la mettre dans les estrades, pas pour telle ou telle raison, whatever laquelle, tu vas faire un changement ou peu importe. Moi, je donnerais le droit aux gardiens. Mais pour moi, les joueurs, la Ligue nationale va augmenter le nombre de buts. La Ligue nationale va augmenter la vitesse des games. Ils veulent que les games ne soient pas trop longues. C'est le meilleur règlement que tu pouvais mettre. Parce que, premièrement, tu empêches les joueurs de vouloir le faire. Donc, ils vont avoir un meilleur contrôle sur la rondelle. Puis, les joueurs qui le font, ben, tu donnes un power play. Donc, ça donne plus de buts ou plus de chances d'avoir de buts. Ouais, mais c'est quoi la différence entre ça et un icing? T'as qu'à ça, donne un 2 minutes pour un icing. Non, mais non, un dégagement refusé, t'as le droit. Ça reste dans la partie du jeu. Une rondelle dans les estrades, ça sort de la glace. Ça reste plus du hockey, là. T'es plus sur la glace. Un icing, ça fait un arrêt de jeu pareil. Oui, là, même si la puck reste physiquement sur la glace, ça fait un arrêt de jeu. Là. Ben, c'est justement. Ben oui, mais c'est ça. Mais l'arrêt de jeu sur un icing, ça fait partie des règlements du hockey. Le icing existe depuis toujours. Depuis le début du hockey, ça a toujours existé. Mais le icing, ça reste sur la glace. Mais quand tu dégages en dehors de la glace, c'est une manière d'arrêter le jeu volontairement. Ah, mais c'est quoi, mettons, si parallèle, la sacrée 10 pieds dans les airs par-dessus une baie vitrée ou la sacrée 10 pieds dans les airs en plein milieu de la glace pour qu'elle tombe en icing? C'est la même affaire. Mais tu sors du jeu pareil. Pour faire un parallèle. Mais c'est pas la même situation. Avec le football, l'exemple. Le football, si le corps arrière se débarrasse du ballon puis que c'est franc qu'on voit que c'est parce que la pression est trop forte puis qu'il shoot ça en dehors du terrain, il y a une pénalité. Ouais. Par contre, s'il y a un semblant de rush, puis que le QB fait semblant de faire une passe à un de ses joueurs, puis finalement, la calisse en dehors du terrain, il n'y a pas de pénalité. Moi, je pense que pour le hockey, c'est sûr que, bon, ça laisse place à l'interprétation, mais c'est ça. Si tu vois que, l'obstruction des gardiens. Tu sais, si tu vois que ton joueur, les gars ont la langue à terre, puis que ça a vraiment été fait dans l'optique de vouloir gagner un peu de temps, puis de pouvoir se reposer, fine, call la pénalité. Mais dans un cas comme ça, que le gars, il se retourne pour faire un semblant de dégagement, puis qu'il manque sa shot, en tout cas, c'est sûr, ça laisse place à interprétation, mais c'est ça, tu sais, c'est bien plate pareil, là. Ben, c'est la zone grise, encore une fois, tu sais, la zone dans le domaine des règlements stupides, là, il y en a un autre, puis ça, je l'ai appris récemment, mais j'ai fait comme Chris, ça n'a pas de bon sens. Là. L'espèce de en arrêt des goalers, les coins, là, on sait qu'ils n'ont plus le droit d'aller là maintenant, l'espèce de zone interdite aux gardiens. Ouais. En fait, il y a une faille qui dit que le gardien peut y aller s'il y a un patin en contact avec son demi-cercle. Chris, avez-vous vu l'espace entre les deux? Je ne sais pas quel gars va être capable de faire ça. Peut-être un gars qui joue au premier but au baseball. Mais t'as ça, c'est... Ouais, j'ai vu passer ça sur Twitter. Même un gardien de ça. Pourrait pas le faire. Alors, ça. Je suis complètement de même, là. Exactement, sauf que ça, c'est une clause qui est comme si ton goaler fait ça, mais qui touche encore sur des... C'est physiquement impossible, à moins que tu t'appelles genre Gumby ou que t'es un fantastique. C'est pas la puck qu'il faut qu'il soit dans cette zone-là pour qu'il pogne un 2 minutes. C'est la puck. Sauf que. Ben, t'es capable de te coucher de bord, là. Si tu te couches, tu mets ton pied dans le. OK, puis. Mettons que mettons tu fais tout ça en disant aux autres, time out, je vais essayer quelque chose. Ouais, peut-être, tu peux le faire. Mais pendant une game, j'ai un esti de doute qu'un goaler va être capable de faire ça. On s'entend, là. Price, il reste le bord du patin, c'est le bord de son but. Mais non, ça n'a pas de crise d'allure. Non, je sais bien. Ça aurait déjà plus de sens vu de même que de penser qu'il fasse le grand écart. C'était quasiment à peu près ça pareil. Là, ouais, faut qu'il y ait un patin en contact. Mais toi, Ellie, ça fait longtemps que je t'ai pas entendu. Non, moi, je vous écoute, puis c'est super le fun. Je sais pas de quoi vous parlez, par exemple. Vous voyez le ton de Ellie qui s'est couché à midi aujourd'hui, qui travaillait sur le site internet. Laisse la magie un peu. Ben, pas besoin d'avoir de magie, juste avec ton ton. Écoute, je vais te parler. Je pense que tu dirais oui. Je vois des roses présentement. Ben, moi, mon seul point par rapport à ça, là, c'est que je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire avec les baies vitrées pour les incurver, rajouter un panel qui fait
que je sais pas. Je trouve que c'est un peu weird qu'on essaie de protéger les gens, mais que ça ne protège pas complètement. Fait que peut-être qu'il y aurait une manière peut-être de rajouter un autre extra layer de vite, puis que ça empêche ce genre de jeu-là. En fait, que ça empêche la POC de sortir. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu weird. Ça reste un peu weird. C'est la même affaire. Si ça dégage. Une des affaires plus ridicules par rapport à ce règlement-là que j'ai déjà vu, c'était au championnat junior il y a 2 ans. Le défenseur Team Canada, il a dégagé de sa zone. Il a snappé. Mais on l'a vu avec le Canadien cette année, parce que t'as pas écouté les games, toi? Non. Ouais, Jeff Petrie, il me semble qu'il l'a fait en arrière du but de Price, il l'a collé dans le filet l'autre bord, puis ça a été 2 minutes. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est complètement. C'est quoi la différence, justement, quand je disais entre ça et un icing? C'est à cause que tu sors de la zone de jeu. Moi c'est là, le seul. C'est même pas dans ta zone là, que tu l'as dégagé. Là, t'as juste voulu dégager ton territoire. Faut le règlement est que si tu sors dans les extras, sous le banc, t'as le droit. Sur le banc ou entre les bancs des joueurs ou le banc des punitions, t'as le droit. Il donne quand même une zone assez grande. Les joueurs vont OK, fait que toi, toi, tu vises le banc, un gros snapshot. Non. C'est rien que je trouve que. Les skills des joueurs est quand même assez bon pour savoir que Krim, les gars, ils jouent au hockey depuis assez longtemps pour avoir un contrôle sur les moves qu'ils vont faire avec la POC. Moi, je me dis, avec les skills qu'il y a dans la Ligue nationale présentement, je vois pas comment tu peux amender ce règlement-là. C'est un automatisme, comme on dit. Tu sais, des fois, ça vient de notre bord. Hier, ça a été contre nous autres. On a vu souvent, ça nous arrivait contre nous autres aussi. Puis de notre côté aussi, bon, notre powerplay ne marche pas. C'est quasiment pas une bonne nouvelle quand on pogne des powerplay, disons-le. Puis hier. Non, notre seul but, c'est en déplay. Ouais. hier, on n'a même pas eu de powerplay. C'est pas compliqué. Le Canadien a eu tant zéro. Tant mieux. Zéro powerplay. Écoute, parlant de ça, là, des pénalités, parce que le Boucher, il parlait d'interprétation, puis ça, justement, on a beau chialer contre les règlements, mais moins qu'il y a d'interprétation, plus que je suis d'accord. Fait sûr, que, au moins, il n'y a pas de la fameuse zone grise. Là. Hier, là, j'écoutais la game, puis en plus, je l'écoutais à RDS, fait que Pierre, il était super content, puis Marc Denis, de la décision des arbitres, quand ils ont chassé Kotkaniemi, puis je pense que c'était Chara qui avait fait de l'obstruction. Moi, je comprends pas. Kotkaniemi se fait faire de l'obstruction, fait qu'il tombe pendant que le défenseur des Bruins, il a la rondelle, puis là, Kotkaniemi fait trébucher le joueur des Bruins, puis là, il chasse les deux. Normalement, là, quand le joueur de l'équipe qui a la pénalité, là, l'arbitre, il a le bras dans les airs, ça met fin au jeu automatiquement. Fait que normalement, Kotkaniemi, pourquoi son 2, il est valide? Le jeu aurait dû être arrêté, là, il est censé être mort, le jeu. Là, finalement, il sort les deux, ça a tombé 4 contre 4, puis c'est là que Brad Marchand il a scoré. Fait que je sais pas comment ils ont interprété le règlement ou si c'est vraiment tant que t'as pas sifflé, l'autre équipe peut pogner un 2, même si c'est toi qui as la POC, puis il est supposé avoir sifflé. Si t'es le joueur de l'équipe qui fait une faute, puis que tu fais juste un tip sa rondelle, le jeu continue pareil. Il faut vraiment que tu aies une possession complète. Mais il avait, c'était le défenseur des Bruins qui avait la rondelle en arrière du but. Ouais, mais il venait de décoller avec le puck. Il venait de faire un tip dessus, puis là, Niemi le fait trébucher. Moi, c'est la seule optique que j'ai vue, ça a été celle-là, de dire, OK, le gars n'avait pas plein contrôle de la rondelle, même si on sait clairement qu'il s'en allait vers ça. Mais c'est la seule façon que je l'ai interprété, ça a été ça. Je me suis dit, OK, le gars, il a juste fait un tip, fait qu'il a voulu continuer le jeu, puis là, bang, Niemi l'a fait trébucher, fait qu'il sort les deux. Puis c'est la seule option que je vois, là. Ben, rappelez-vous, le nombre, les plaintes pour un Blishman. Tu sais, il colle, rappelez-vous, celui-là de Lekkonen. Ah non, ça. Écoute, Lekkonen se fait accrocher. Parle-moi pas. Lekkonen se fait accrocher, puis il colle un Blishman. Mais Chris, Lekkonen, il voulait juste continuer le jeu pour pouvoir aller au flip. C'est un but, ça. On a gagné ce match-là contre la Floride, justement. C'était contre la Floride, si je ne me trompe pas. On avait gagné pareil ce match-là. Mais il y a des décisions comme ça, je trouve, qui sont loufoques. Si tu calls un 2 parce que le gars, il a fait trébucher un autre gars, puis tu calls Embleshman parce que le gars est tombé à terre, il n'y a pas de logique dans ça, là. Parce que tu dis, tu t'avoues que l'autre l'a fait trébucher, tu peux pas te plaindre, tu peux pas donner une pénalité pour l'autre qui a pas fait trébucher. C'est weird, là. Il y a des règlements comme ça, des fois, je comprends pas. Puis des fois, ça arrive à notre bord, là. Des fois, c'est nous autres qui va accrocher le joueur il tombe, Colin Blishman. Puis je me boucle la question, mais Chris, si le gars l'a fait tomber, tu peux pas dire que l'autre a fait par exprès pour tomber. Il y en a des réactions qui sont carrément exagérées, là. Tu sais, des fois, tu touches à peine la pad, le gars, il revole, il tombe petit pied.
Hey, je veux juste dire à Mike, notre Mike d'HSL d'aller chier. Il vient de m'appeler Rick Auger. C'est pas fin pas en tout ça. Ça, c'est pas gentil, ça. Ça, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment gentil. C'est vraiment chier, ça. Sale. Mais nous autres, on est chiants. Nous autres, Télé m'a déjà appelé le Michel Bergeron d'HSL. Tu sais que avec ça, c'est encore plus chier. C'est encore plus chier. Il y a pas plus chier. C'est la seule affaire qu'il a retenue, je lui ai dit, il y a deux semaines. Ouais. Ça, il n'y a pas plus chier. Ah non, il n'y a pas plus chier. Si, moi, des zones de Cro-Magnon qui vit dans les années 70, je suis plus capable. Bon, c'est ça, c'était chien. Ouais, celui-là, je l'ai pris personnel. En plus, c'était une journée de marde, cette journée-là. Ouais, c'était vraiment une journée de marde. Pendant que sur Twitch, on voit les nombreux gears qu'on peut s'acheter sur notre nouvelle boutique en ligne. T-shirt, hoodies, veste, tasses, chandail pour femmes, et voilà. Ouais, il va en avoir de plus en plus, c'est certain. Pour l'instant, il y a juste quelques modèles. Il va en avoir qui vont être ajoutés. Ben c'est ça, allez voir la boutique, j'ai posté le lien sur le chat de Twitch, sinon allez voir au www.hockeysanslimite.ca, il y a un onglet boutique, vous pouvez aller voir nos trucs, on va en ajouter chaque jour, donc allez-y, en même temps, ben c'est ça, ça nous encourage financièrement à continuer, ça fait que allez-y si ça vous tente. Puis nous autres, on va en acheter, c'est certain. On va en acheter, ça, c'est sûr. Le gars, il dit non, moi, je n'arrête pas. Si tu mets gelé, mais je n'arrêtera pas. Non, on va en acheter, c'est sûr et certain. Bon, on va revenir sur un autre sujet, les boys. La bagarre de Des Lauriers. Bon, on a entendu, on a vu sur Twitch, Benoît, tu disais, bon, Monsieur Renault, big entrevue après match, la voix a dit que lui, il était contre ces bagarres-là. Bon, encore un autre. On va y aller tout de suite. On va en parler. Je vais vous donner des statistiques vite faites, OK? Depuis 2012-2013, les bagarres par match, OK? Ont passé de 0,48, 0,38, 0,32, 0,28, 0,30, 0,22, 0,19 et cette année, on est à 0,19 bagarres par match. Ça, c'est minime, là. Il y a eu présentement total de bagarres, OK? 134 bagarres dans la Ligue nationale de hockey présentement sur 1271 matchs. 238 bagarres sur 1271 matchs. Des bagarres, des games qui ont eu plus qu'une bagarre, il y en a eu seulement 22 sur 1271 matchs. C'est ridicule. L'année passée, il y en a eu seulement 8 sur les... C'est ça. L'année passée, il y en a eu 41 des bagarres des matchs de plus de deux bagarres. Ça a-t-il encore sa place? Moi, je suis un oui catégorique là-dessus. Je sais pas s'il y en a d'autres qui pensent ça, là, mais je veux avoir votre opinion là-dessus. Élie, concentre-toi, prépare-toi un texte. Je suis là. Non, Ah, tu veux y aller tout de suite? Oui, je suis prêt. Vas-y. Ben, écoute, le hockey existe depuis quoi? 150 ans? 125 ans? Je sais pas exactement ça existe depuis combien de temps, mais ça fait très longtemps. C'est pas pour rien que les bagarres existent dans ce sport-là. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on les a pas abolis avant. Tu sais, le monde pense que le hockey est régi par du monde stupide. Non, je veux dire, ça existe pour une raison. C'est que c'est le sport le plus rapide au monde. Jouer avec des lames qui peuvent couper genre n'importe quelle chair fraîche disponible. Ou moins fraîche. Ouais. Puis on joue avec des bâtons. Puis on a la possibilité de frapper l'autre. C'est-à-dire que c'est un sport de contact. Je veux dire, les possibilités d'exagération sont encore plus possible que dans n'importe quel autre sport de contact. Je veux dire, donc les batailles existent pour éviter que le monde ambitionne, pour que le monde frappe trop fort, pour que le monde utilise leur bâton de façon dangereuse. Le sport s'auto-régit de cette façon-là depuis le début. C'est pas pour rien. Pensez pas que vous êtes plus intelligent que le monde il y a 50, 60 ans. Ils ont eu leurs expériences, ils ont eu leur carrière de 20, 25 ans, eux autres aussi, pour en témoigner. Moi, je pense juste que c'est manquer de respect au sport de penser qu'on peut abolir ça sans avoir de conséquences. Voilà, j'ai fini. All right.
Okay. Wow, c'est une longue phrase que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais ça a l'air qu'ils ont pas de se donner des coups de bâton, puis le patin, il coupe vraiment. Ouais, c'est quoi? C'est comme... Sa tonalité est... Sa tonalité est tellement sur un ton, là, genre un do comme, grave. Là. C'est comme Fabi la nuit, mais en plus, mais en plus plate. En plus plate. Ouais, écoute, je vais essayer de reprendre ça au rebond parce que, écoute, ça volait pas haut, mais... Écoute, Élie est brûlé en passant, là, c'est fou, c'est juste drôle. Je suis sûr, je sais que tu voyais, t'avais l'air de tout là, mais t'avais zéro qualifié, là. T'es toujours sur le même ton, là. Je me disais, Manny, il va augmenter un peu. Non, peu importe. C'était Fabi la nuit, mais c'est ça. Écoute, tu sais, on l'a vu clairement là, dans ce match-là que la bagarre, là, ça a été la spark plug du match. Tu sais. Il y a eu d'autres matchs avant ça, quand on a vu, bon exemple, Yann Cole contre l'Avalanche qui a ramassé Agostino. Il y a eu du brass camarade, oups, ça a créé quelque chose, ça a levé le jeu d'un cran, ça a créé de l'émotion. Même chose contre les Bruins. On le sait contre les Bruins, qu'est-ce que ça va être comme match. On le sait que ça c'est pas Marchand qui se met à frencher quelqu'un. On le sait qu'il va avoir du brass camarade. Ou comme a dit Pierrot, du rafifi. Ah, t'es cas. Mais, du rafifi. Rififi, ouais, c'est pire, je pense, du rififi que du rafifi. Bref, on le savait que ça s'en allait là. On le savait que ça allait arriver. Puis Dilo l'a choisi à un bon moment. Je pense qu'il voyait que c'était comme... pas que ça allait stagner, mais que c'était comme sur le même niveau depuis trop longtemps. On a voulu brasser sa troupe. Puis ça a porté fruit. Ça a marché. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Qu'il l'ait gagné ou perdu... Who cares? Les gars ont fait comme OK, on va se réveiller parce qu'on c'est à notre portée puis on peut l'avoir. T'sais. Fait que non, écoute, j'ai rien à dire cette bagarre-là. Ça n'a pas été quelque chose de planifié dans le sens où est-ce que tu es voix qui se parlent au face-off puis ouais, toi, ça va, ouais, on va y aller, on n'a pas le choix, on va dropper le gros. Mais ça n'a pas été ça. Ça a été vraiment dans l'optique de faire lever le jeu d'un cran. Puis ça a été bien réussi. Fait que chapeau de Laurier là-dessus, là, vraiment, ouais, big up. Vas-y, Sam. C'est drôle, je sais pas, c'est dur à argumenter là-dessus parce que je peux comprendre, mettons, le monde qui aime pas ça voir ça ou c'est facile de trouver des arguments pour dénigrer les bagarres dans le hockey. Mais tu sais, même moi, je peux dire je comprends pas que ça existe encore, puis c'est le seul sport que tu as le droit de te battre, puis ta conséquence, c'est d'aller tasser 5 minutes au banc, c'est complètement absurde. Là. Normalement, tu te bats, t'es dehors de la game, mais. T'sais, dans n'importe quel sport, c'est ça, sauf le hockey. Par contre, quand que ça arrive hier, j'étais bien content. Là, c'était un super beau combat. Puis c'était d'une game, t'sais, ça fitait avec le genre de game qu'on avait. Une game intense, pas d'espace, des grosses mises en échec. Puis là, ben bang, un combat. J'aime mieux voir des combats de réaction là, habituellement. Quand, mettons, un joueur il se fait frapper mal sale, là, c'était vraiment par en arrière ou une cheap shot, puis là, son coéquipier va le défendre. Ça, écoute, ça, je suis 100% d'accord. Quand c'est un peu sketché comme hier, là, les deux enlèvent leurs gants, j'ai un petit peu plus de misère, mais c'était la game pour ça, je pense. Tu sais, rivalité, dernière game de la saison entre les Bruins et le Canadien, au TD Garden. Les Bruins, il y avait les devants 1-0, puis ils commençaient à prendre l'avantage physiquement. Fait que, tu sais, le scénario était bien écrit, puis ça fitait là. Là, après ça, de repartir un débat, si t'es pour, t'es contre, il va tout le temps avoir des bons arguments pour les deux camps. Tant que tu commences pas à dénigrer ceux qui se battent ou à dénigrer, mettons, le fait qu'il y en a des batailles, tu sais, il y en a toujours eu, il va probablement tout le temps en avoir, puis s'il y en a plus à un moment donné, ben, ça va être pour le mieux, puis après ça, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est de même. Par contre, quand que ça arrive, même si tu as des arguments pour dire que tu t'aimes pas ça, quand que ça arrive, moi, je suis sûr qu'il n'y a pas personne qu'hier, quand c'est arrivé, ils se sont cachés les yeux puis ils sont allés s'ouvrir une bière ou sont allés faire un petit pipi. Non, ils ont tous checké le combat. Ça a fait lever le momentum puis encore plus d'énergie à la game. Fait que moi, j'aime ça quand il y en a. Il y en a de moins en moins, fait que c'est mieux. Là, avant, c'était un petit peu n'importe quoi. Mais là, je pense qu'une bonne bataille bien située, c'est parfait puis ça fait du bien à tout le monde.
Hey, sur le chat, je veux juste mentionner le commentaire de Boone Benoit qui, dans ma tête de clown, a sonné comme le personnage de Bob Barclay, François Pérus. Là. Ceux qui n'aiment pas les batailles, qui regardent d'autres sports, puis ceux qui ne veulent pas se battre, qui restent chez eux. C'est où chez eux? C'est partout sauf ici. Ben, c'est ça, tu as un peu raison. Puis c'est vrai que c'est un sport de contact. C'est un sport où que la bataille est là depuis la game quoi? La game 1, en 1909. Alors, je ne sais pas là, quand ça a été inventé, cette histoire-là. Là. Mais c'est ça, ça fait partie de la game. Fait que... Puis c'est vrai qu'au Centre Bell, même les plus grands ardents défenseurs de la non-violence, là, je m'excuse, mais dès qu'il y en a une qui pète, là, tu regardes, là, puis c'est souvent c'est les premiers de bout à applaudir et crier leur vie. Fait que, à un moment donné, il faut essayer d'être conséquent. Oui, puis tu sais, Ali, lui, il dit qu'il a perdu la bagarre. Moi, j'ai vu dans la bagarre, je l'ai écouté à peu près 4-5 fois, là, j'ai vu Deslauriers dominer au début, puis j'ai vu Deslauriers à la fin en perdre un peu. Je vois pas de grand gagnant là-dedans. Bon, les partisans des Bruins vont dire que... C'était pas une flawless victory. Mais quand les deux sont tapés sur la gueule non-stop, là, puis tu sais, je voyais Deslauriers avec la tête baissée, puis pac, mais Deslauriers l'a pincé aussi. C'était comme un terme en boxe, c'était une nulle majoritaire. J'ai bien aimé le petit move. C'était-tu Miller contre qui s'est pogné? Je me souviens plus du nom. Kevin Miller, les deux sont... J'ai bien aimé l'espèce de esquive, roulade, changement de côté. C'était incroyable. C'était comme Ice Capade pour homme. Continue de parler. Je vais essayer de le trouver sur Twitter pour qu'on le mette pendant. Je pensais que vous alliez faire ça. Je n'ai pas pensé que tu n'avais pas de cerveau. Là. Je l'ai su. Je suis tout le temps que tu prennes pour aller. Non, mais sérieusement, moi, les bagarres, je l'ai dit, ça va... Tant que le sport va rester... Tu sais, oubliez pas que le hockey est le seul sport que tu joues avec une arme dans les mains. Oubliez-les jamais, ça. Le football, là, le monde dit « Ah, il n'y a pas de bagarre au football! » Non, c'est deux gars qui se plaquent, qui n'ont rien dans les mains, ils ont des épaulettes, oui, comme au hockey, ça, mais les épaulettes sont plus grosses. C'est normal, on parle de mastodontes qui sont sur les lignes défensives, les lignes d'attaque de chaque équipe. On parle de des gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5, 6 pieds 6, même des 6 pieds 7, des 300, 320 livres. On parle de des monstres, on va se le dire, mais ils n'ont pas de bâton dans les mains. Au football, ils ont déjà pensé faire ça du football armé, mais un 12 pompeux dans leur cuissard, ça rentrait mal. c'est un argument qui est massif dans tous les sports professionnels de contact. Le hockey, en plus d'avoir des patins, t'as une arme dans les mains. Si t'enlèves le pouvoir à un joueur de dire « Ben moi, je me servirai pas de mon arme, je me servirai pas de mes patins, je vais dropper mes gants puis je vais t'affronter au point », moi, là, je pense que ça va dégénérer parce que les joueurs vont se servir de leur arme. Puis l'arme qu'ils ont des mains, ça va être le bâton. Moi, c'est ce que je me dis. Moi, c'est ce que je pense. Puis je pense que les bagarres vont toujours avoir leur place, peu importe. Puis ils sont tellement rendus minoritaires. Calice! Fermez donc vos gueules, Sti. Ben, dis comme ça, là. Fermez donc vos gueules là-dessus, sérieusement. Vous aimez mieux voir un joueur arriver puis qu'on lui un coup de slash dans la tête, à la tête d'un autre joueur ou deux gars qui s'affrontent volontairement dans une bagarre comme hier. Si Deslauriers s'est fait knocker hier, là, il était conscient qu'il allait se battre contre un autre gars. T'sais, c'était pas comme s'il savait qu'il n'y avait pas des chances de se faire battre, là. Mais là, la même affaire. Mais là, en affrontant Deslauriers, il est pas arrivé. T'sais, les deux vont arriver confiants, mais il sait qu'il y a une chance de manger un punch puis de tomber sur le dos. Ils savent, ces gars-là. Puis ils sont conscients des commotions cérébrales. C'est pas comme les années 80, quand on parle à des twists, à des. Tu sais, les gars qu'on avait, des Chris Nyland, des Tony Twist, là, rappelez-vous, ce gars-là, il y a eu des graves problèmes au cerveau, là. On sait ce qui est arrivé. Je pense que c'est un des gars qui s'avait suicidé, ça, si je me trompe pas. Tu sais, c'est comme. C'était grave. Les gars se battaient, puis il y avait des commotions. On est en train de voir le combat, puis je vais t'expliquer pourquoi je pense qu'il l'a perdu. On voit une shot où il a perdu son casque. Puis c'est là qu'il semble avoir été rocké. Puis on le sait que c'était fait faire mal au visage, genre... Mais tu vois qu'il essaie de protéger son visage. Quelqu'un a perdu son casque. C'est ça. À partir de là, je trouve que là, c'est là qu'il l'a perdu. Parce que c'est lui qui a mangé un meilleur shot, mettons. Même si, regarde, on s'entend qu'il a continué par après. Mais tu vois, il s'est penché. Mais l'autre aussi s'est penché, j'avoue. Dans l'histoire des casques qui sautent, là. Quand tu vois ton adversaire, le casse pop, puis qu'elle tient détaché, je sais pas, essaye d'y aller à arme égale, enlève ton casque, si tu tapettes de bruit, de conlice, de mange-marde. Ah, time out, j'enlève le casque, j'enlève tout. Tape un peu. Il enlève son casque. OK, on repart. Non, mais son casque est détaché, man. Shake ta tête, si, il fallait t'en prendre ton casque. Il y a un règlement à cette heure, en plus. Ah, tu manges de la marde. Tu te souviens-tu quand il avait fait ce règlement-là? Je pense que c'était Travis Moen, s'était battu après, puis les deux gars, ils s'étaient enlevé le casque. Chacun un de l'autre.
Oui. Quand on est ce que c'était fait. Oui, je vais t'enlever ce casque par l'autre, puis l'autre aussi, puis on avait tellement ri de ça. C'était épique, ça. Les joueurs ont pu l'enlever volontairement. C'est justement pour ça, pour empêcher, pour les commotions cérébrales. Les gars, si le casque tombe, le casque tombe, c'est correct. Mais si tu l'enlèves automatiquement, si je ne me trompe pas, c'est une inconduite de partie ou un 10 minutes. Il me semble que c'est un 10 minutes de mauvaise conduite. Je ne sais pas laquelle des deux, mais en tout cas. Puis tu sais, le monde qui chiale, puis c'est vrai, là, Pop, tu dis, il y en avait un aujourd'hui, un fan de soccer qui. Puis c'est pas un Barbara Twilly, là, capote pas, là, j'ai pas parlé de Piatti. Pourquoi tu parles de sa nationalité? C'est un gars qui avait un logo de l'Impact dessus, puis il comparait le hockey au soccer, qui avait pas de bagarre au hockey. Ben, Chris, va pas me dire ça quand t'écoutes le soccer après ça, là. Les gars, ils se font faire une pichinotte, est-ce qu'ils tombent à terre comme s'il y avait une fracture au troisième. Exactement, puis j'ai adoré le gif qui a passé à un moment donné sur Twitter d'un gars qui passe à côté de Neymar puis qui se pitch à terre, puis versus à côté, t'as une joueuse des Canadiennes qui a la gueule en sang, une joueuse des Canadiennes, je répète, qui a la gueule en sang, puis qui retourne faire son chiffre. On ne comparera pas les sports. Respect au soccer. Connaissez on pas le... ça, là. Bon, on ne connaît pas ça. Au soccer, il y a tellement plus d'obstructions qu'il y a au hockey. Mais sais-tu quoi? Si je ne connais pas ça, c'est la première fois de ma vie que je suis content d'être ignorant. Okay? C'est pas souvent au soccer, mais oui, il y a de l'accrochage au soccer. Oui, il y a de l'obstruction au soccer, c'est vrai. Mais ça reste du mano on mano. Il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de contact à la base. Le jeu, c'est... T'sais, ils n'ont rien qu'à faire au même règlement que la Ligue nationale. Aussitôt que tu touches aux joueurs, si tu donnes... Ça serait invivable, mais côté obstruction, puis côté coup sournois, puis sur le pied avec mes pics en métal, là, c'est vraiment plus cochon qu'on pense. Coup de boule à la Zidane. J'en ai vu ça. On en voit souvent des extraits, puis tu vois des gars, puis ils servir, ils checkent l'arbitre regarde pas, puis coller sur un coup de pied dans les couilles, sur le tibia. Les gars sont sournois, je l'avoue, tu sais. Mais tu peux-tu mettre des bagarres légales de ce cas? Tabarnak, Ali, il serait de poudre. Ah, tu l'es, Piatti, tu l'es! J'aimerais ça, là. Non, touchez pas à Piatti, câlisse, touchez pas à Piatti! Bon, c'est ça. Moi, c'est pour ça. Moi, je suis d'accord avec les bagarres. Je comprends pas encore qu'il y a encore un débat là-dessus. Tu sais, c'est l'effet du nombre. On parle de 286 bagarres ça, en 1271 matchs. Je comprends pas à 0,19 bagarres par game. 0,19, donc c'est une bagarre aux 5 matchs en moyenne dans la ligue, que ça chiole encore là-dessus. C'est comme le gars. Tu sais, puis les bagarreurs de nos jours, c'est plus des George Parrish, c'est des gars qui savent jouer au hockey. T'sais, Deslauriers, c'est quoi sa deuxième bagarre, troisième bagarre cette année? À part elle, là, qu'il s'est fait sa plaque d'en face. Puis le gars, il a le courage à savoir qu'il y a une plaque de métal dans sa joue, de dropper pareil, puis dire encore qu'il aime ça. Ça prend du guts, là. Écoute, il dit lui-même, là, il dit, ouais, je sais ce qui m'est arrivé à la face. Il dit, mais j'aurais jamais peur de dropper. Il dit, j'aime ça. Il y a ça dans le sang. Des gars comme ça, tu sais, Ben Harper a 5 combats cette année. Cody McLeod avec les Rangers a 5 combats. Sam Bennett. Vous connaissez, lui, sur la première ronde des Flames? Il est deuxième de la ligue avec 4 combats. T'sais, on parle pas d'un matador, là. On parle d'un gars, Sam Bennett, il est quoi, 5 pieds 11, 6 pieds, si je me trompe pas? 190, 195 livres, c'est pas un matador. Il est surtout surévalué. Ah, ben là, Calgary, moi, je suis Calgary roulé présentement, je me dis, Chris, on a battu cette équipe-là deux fois cette année, nous autres. J'ai de la misère à comprendre comment le Canadien a pu battre cette équipe-là deux fois, aller voir marquer des buts. C'est hallucinant, là. Johnny Gaudreau, il est en train de battre le record d'assistance pour... dans l'histoire des films de Calgary présentement, une vraie machine de hockey. Là. On parle du meilleur pointeur de la Ligue, Johnny Gaudreau, depuis le 1er décembre. Ça fait un bout. Comme Price est le meilleur gardien de la Ligue depuis le 1er décembre. Oui, il faut que je le mentionne, bien sûr. Bon, ce soir, Niemi devant le filet. Êtes-vous d'accord avec les décisions de Claude Julien? On sait qu'en fin de semaine, le Canadien va jouer, bien sûr, deux matchs back-to-back. Si je ne me trompe pas, c'est contre Columbus. Je vais vous dire ça à l'instant exactement. Columbus, vendredi. On va jouer vendredi à Columbus et on revient à Montréal, à Philadelphie, samedi. Je m'attends qu'ils goûtent les deux là parce qu'après ça, on a 4 jours de congé. Je ne vais pas avoir mercredi. Êtes-vous d'accord avec les décisions de la Floride? Je veux juste souligner que c'est Miami qui a battu la Floride 5-3 lors du premier duel entre les deux équipes. Vas-y donc, Sam. Oui, complètement d'accord. Écoute, hier, moi je l'ai dit dans mon analyse du match d'hier, pour moi, les Bruins étaient la meilleure équipe sur la glace. Puis sans Price, écoute, il a volé la game hier, là, puis ça a pris 2 tirs parfaits pour le battre, dont un voilé. Fait que non, journée de repos bien méritée. C'est sûr que c'est plate, mettons que t'es, en tant que partisan, t'aimes mieux voir ton gardien numéro 1 quand c'est au Centre Bell. Mais là, t'aimes mieux avoir Carey Price contre les Bruins, puis Niemi contre la Floride, c'est normal. Écoute, la Floride sont sur une séquence de 6 défaites consécutives. Là. Fait que c'est justement le moment parfait pour insérer Niemi.
Puis les deux dernières sorties de Niemi étaient bonnes. Là. Il a livré la marchandise, il était temps, là, mais au moins il l'a livré. Fait que, non, complètement d'accord avec la décision. C'est la bonne décision, en fait, je crois. Là. C'était la décision à prendre. C'est pas un guess. Là. C'était calculé, puis c'est une bonne affaire là, pour les deux gardiens, autant pour Niemi. Il va faire voir un peu d'action. Il va sûrement être utilisé bientôt, prochainement, dans la fin de semaine. C'est un back-to-back. J'imagine qu'il va affronter les Flyers, qu'eux autres aussi ont de la misère cette année. Non, moi, je pense que Price va goaler là en fin de semaine. Oui, parce que le Canadien joue le 19, ensuite le 23, puis ensuite, il y a 7 jours de congé. Moi, là, sérieusement, je mettrais Price, Columbus, Philadelphie, puis le match de suspension que Price peut avoir, là, tu peux le donner avant ou après, si tu as le droit. Fait qu'Arizona, c'est peut-être là que j'envoyerais Niemi. Puis que je garderais Price après ça pour le back-to-back du 2 puis du 3 contre New Jersey et Edmonton. Puis au pire des cas, mettons que tu mets Price back-to-back 18-19 en fin de semaine, vendredi, samedi. Après ça, on en rejoue mercredi prochain contre Arizona. Tu peux mettre Price. Quand tu reviens, là, on joue New Jersey et Edmonton contre New Jersey en après-midi. Là, tu peux envoyer Niemi, puis le lendemain Edmonton, tu peux envoyer Price ou l'inverse. Tu sais, non, tu es obligé d'être le match après. Ça fait que New Jersey, tu peux envoyer Niemi. Après ça, Edmonton. Puis après ça, on s'en va dans le fameux voyage. Ben non, même pas. Le mois de février est intense. Je vous dis tout de suite, là, vous irez voir les équipes qu'on affronte, là, c'est quelque chose. T'sais, tu peux envoyer qui tu veux, puis oui, tu peux le faire gauler back-to-back, mais ça dépend aussi de la partie d'avant. T'sais, comme hier, c'était une grosse game. C'est ça, là, pour exactement. Price, la journée de repos est méritée, puis la back-to-back en fin de semaine, le premier club, c'est Columbus, puis ça devrait être une game assez intense encore une fois. Fait que ça se peut que, normalement, Niemi pourrait gauler contre les Flyers, qu'eux autres ils ont de la misère cette année, mais... En tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est la bonne décision d'insérer Niemi dans l'alignement. Là, c'est le match parfait pour le faire. Je veux juste, avant de vous lancer, les boys, mes deux autres boys, Price, là, ceux-là qui disent qu'il n'est pas capable de gauler des back-to-back, là, vous irez voir le calendrier, il en a gaulé deux en deux semaines et demie au mois de décembre. C'est tout. Là. Il en a un gaulé deux en deux mois et demi, dans deux semaines et demie. Puis là, c'est à cause que, tu sais... T'sais, moi, je vois un post de Sportsnet. J'ai vu Martin Biron faire un article sur le site de la Ligue nationale de hockey. Les gardiens ont besoin de repos. Puis le monde sont attaqués que à Price. Là. Puis dans l'article, je vous le jure, il parle. Parce qu'il a mis la photo de Price dessus. Puis dans l'article, il parle pas juste de Price. Il parle de tous les gardiens numéro un de la Ligue. Il parle pas juste de lui. Mais le monde sont attaqués à Price que monsieur gagne 10 millions, il est pas capable de goaler de back-to-back. N'importe quel gardien, numéro 1 ou numéro 2, est capable de gauler deux matchs en deux soirs, tabarnak. Je comprends pas le monde qui sont stickés là-dessus. C'est parce qu'on s'est fait habituer aussi. Dans les dernières années, on va se le dire, excusez, les back-to-back, ils doivent quoi n'avoir gaulé. C'est à cause qu'il y en a 14 une année. Faut que tu utilises ton gardien numéro 2 quelque part. Non, je sais. Écoute, je dis rien contre le fait qu'il n'en gaule pas des back-to-back. Là, moi, tout, je comprends justement, c'est même mieux de faire gauler ton gardien numéro 2. Tu le payes à être assis sur le banc. Quand tu as des back-to-back, tu es aussi bien d'utiliser. Par contre, dans les dernières années, on a été habitué qu'aussitôt que c'était back-to-back, Price, il ne gaulait jamais les deux. Cette année, c'est différent. On dirait que quand il y a des back-to-back, Claude Julien et Wade, ils n'ont pas peur de l'utiliser. Ouais. C'est tant mieux, mais je peux comprendre le monde de dire ou d'avoir encore dans l'idée que Price les gaule jamais. Par contre, cette année, de le dire, c'est faux. Il y en a gaulé deux, puis ça risque d'arriver d'ici la fin de la saison. C'est vrai que les gardiens ont besoin de repos. Puis justement, comme je viens de dire, t'as un goaler numéro 2 qui te sert à ça. Fait qu'utilise-le. T'sais, à moins que ça soit deux matchs ultra importants. Puis que la première game, en plus, tes joueurs ils ont bien joué défensivement. Ton goaler numéro 1, il n'a pas eu à sortir la game de sa vie. C'est ça qui est arrivé en décembre. Il n'y a aucun problème à le réutiliser le lendemain. Là. C'est ce qui est arrivé en décembre. Les deux matchs avant, quand il a goalé back-to-back, Price avait eu 22 ou 21 lancés, quasiment pas occupé du match. Tu dis, bon, mon gardien, il a pas eu un gros match. Fait que tu parles avec Wade. Tu dis, Chris, il a fait 21 arrêts hier. Là, il n'a pas eu de gros arrêts dangereux à faire. Tu le quittes. Oh, hey, t'en chais. Tu le mets le lendemain. Hier, Price, il a fallu qu'il soit au sommet. Là. Il a 43 lancés, 41 arrêts. Il était vraiment sharp. Puis c'est pour ça que je m'attendais. Si Price, hier, avait 19 arrêts, Canadien aurait gagné 4-0. Pas mal sûr qu'on l'aurait vu à soir. Mais là, en fait, semaine à Columbus, rappelez-vous les cloches de l'année passée. Avec Alan Montoya, rappelez-vous, hein, le match de 10 à 1, si je ne me trompe pas. Ouais, ça me rappelle encore les canons dans la tête. C'est pas le 2 ans, ça? Non, l'année passée, au début l'année de la saison, avant l'arrivée de Niemi. Rappelle-toi, Montoya était mis au balotage, les Oilers l'ont réclamé. Après ça, il y a eu l'arrivée de Niemi qui est arrivée. Mais je suis pas sûr que c'est la volée contre Columbus, c'est pas Michel Therrien, ça?
Hey, c'est v'là 2 ans, ça? Ouais, c'est v'là 2 ans, t'as raison. Rappelle, t'as raison. Parce qu'après, Price s'était fait chasser le game d'après, puis il y avait le regard de feu. Le regard gate, ouais, exactement. Vous autres, les boys, êtes-vous d'accord avec la décision de Niemi? Ellie, avant qu'il tombe endormi, je le vois qu'il tombe par en arrière, je me dis, Chris Mané va tomber, c'est sûr. Je me tiens. Ben oui, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un back-to-back pour mettre son backup. Là. Je veux dire, je comprends les réticences, puis je comprends le fait que Niemi, c'est pas Carey Price, mais en même temps, regarde, il faut l'utiliser. Puis si on l'utilise pas dans un back-to-back, je vois pas l'utilité d'avoir un backup. Là. Je comprends qu'on ne l'a pas fait pour des raisons stratégiques. Mais en même temps, il faut reposer Price, surtout s'il est encore irrité de whatever, Len. Tu sais, puis au-delà des pourcentages d'arrêt, là, Niemi a 7 victoires en 12 départs. 7-4-1. Non, mais sur 24 points possibles, il faut le rouler aussi, notre backup. Là. Ça fait un bout qu'il n'a pas joué, puis tant mieux. Là, ben, pas tant mieux, là, mais je pense que c'est... Il faut faire avec, puis c'est ça. Je pense que c'est le moment idéal, tant mieux. Ben écoute, moi pour ma part, c'est pas tant le back-to-back qui m'énerve, c'est pas tant que ce soit Niemi qui m'énerve, c'est pas mal plus qui qu'on affronte dans le back-to-back. J'aurais souhaité que le match de ce soir, ce soit contre genre, je sais pas, mettons Détroit ou une équipe de même. La Floride, ça reste que c'est une équipe quand même qui cherche, qui ont eu un gros meeting, ça a l'air d'équipe ce matin. Ils ont autant de points que Détroit. Ouais, sauf qu'ils ont beaucoup plus sur papier que Détroit. T'sais, ils ne sont pas supposés être là comparés à Détroit. Là. Puis, tu sais, la Panthers, malgré leur saison de miséricorde et leur gros pace impressionnant de 6 défaites, sont quand même 4e dans la ligne pour l'avantage numérique. T'sais. Fait qu'à soir, il va falloir que le Canadien soit discipliné. Parce c'est que là qu'ils gagnent leur match en PowerPoint. Ouais, c'est ça, exactement. C'est là qu'ils font leur but aussi. Fait qu'il va falloir que le Canadien soit discipliné parce que là, c'est ça. T'sais, c'est Niemi, alias. Je sais même pas comment l'appeler. Ouais, James tellement, tellement qu'il est peu orthodoxe dans le filet. Là, en tout cas. Mais c'est ça. Fait que c'est pas tant le back-to-back, c'est pas la décision, parce que la décision, c'est justifié, c'est comprenable. On essaie d'économiser un peu Price, puis c'est correct de le faire aussi. Il faut faire jouer le backup. Sauf que c'est juste désagréable que ce soit la Floride. Quand on parle d'un match piège, je pense qu'à ce soir, ça en est un bel exemple. Ben, l'effet qu'on a gagné le 2 points hier, tu sais, moi je pense que les Canadiens vont le gagner à soir. Là. Ben oui, vous savez que je pense que tant que les Canadiens vont gagner, j'ai pas besoin de le pas nouveau ben, je pense. Mais je pense qu'on va avoir une petite série de victoires. Je pense qu'on va peut-être battre Columbus. C'est bizarre, mais c'est le match des Flyers qui me fait le plus peur. Parce que les Canadiens contre les Flyers, on a toujours de la misère. Puis les Flyers hier, esti, ça c'est hot. Leur premier power play, il y avait 0 défenseur. Ils ont envoyé Couturier, Van Muisdijk, Simons, avec Giroux. On a un nouveau nom qu'on... Van Muisdijk. Je l'appelle JVR, normalement, lui, parce que là, je voulais dire son nom complet. Il s'appelait de même. Ouais, ça va mieux. Ça va mieux de même, j'avoue, là, tu sais. Mais pour de vrai, ils ont marqué 2 buts en powerplay. Ils ont perdu le match, on va se dire. Mais ils ont marqué quand même 2 buts en powerplay. Je me disais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, asti, on devrait peut-être essayer ça. On marque pas de but ici. Pourquoi pas? Je me dis, Chris, première vague, mets deux défenseurs, la deuxième, mets-en pas. Tu sais, il y avait Voracek qui jouait à pointe, puis tu avais Giroux qui jouait sur le côté, tu sais, avec JVR, puis Simmons, puis Couturier qui jouait dans puis ils ont marqué quand même 2 buts. Je me dis, c'est peut-être une tactique utilisable au Canadien, malgré que chez Weber, bon, ça va débloquer un mané. Hier, on n'a pas eu de power play, on ne peut pas juger. J'ai aimé lui qu'on a vu samedi contre Colorado. Le Canadien, un poteau de Weber. J'ai hâte de voir, en tout cas, ce soir. Moi aussi, je suis d'accord avec la décision. Je m'attendais, après le match d'hier, à voir le nombre de chances de marquer que Price avait eu, puis la qualité qu'il avait donnée dans le match. T'sais, avec le voyagement, ils ont rentré à 1h du matin cette nuit. J'ai hâte de voir. Avez-vous entendu la déclaration de Jonathan Huberdeau? Et Chris, le gars, il est tanné. Hein? Ouais. Ouh, le gars, il pas entendu. Écoute, je suis bouché pour me trouver l'article là, vite fait là, pendant que je vais en parler. Là. De mémoire, là, tout ce qu'il a dit, ça fait 7 ans que je te cite. Il dit je suis tanné, là. Il dit là, Mané, là, il dit, j'étais une fois en série en 7 ans, il dit là, je suis vraiment tanné. Là. Il dit, faut pas que les gars commencent à gagner parce que sérieusement, là, tu sais, puis là, je l'écoutais parler, je me disais, Chris, viens-t'en jouer à Montréal, man. Moi te prendre, oui. Tu sais, j'écoutais ça, là, puis tu sais, là, ils ont fait un meeting d'équipe à matin, puis il a vraiment sauté une coche. Je parlais devant un journaliste, là, puis là, il sentait un gars là qui est. Je m'en calise de jouer en Floride, moi, là, je veux être en série, là. Tu sais, là, un gars qui dit moi le soleil, je m'en tabarnak. J'ai le goût de jouer en playoff. Puis il a le goût de vivre ça, puis tu sens que ce gars-là va pouvoir l'en donner. Là. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça spécial. Le boucher, t'as-tu trouvé ça?
Ouais, il faut juste que je passe l'annonce, fait que je vais éviter ça au monde, là, puis je vais partager le lien visuel et auditif dans quelques instants. Allez-y avec vos prédictions présentement sur le chat. J'ai celui-là de Benoît déjà qui a été pris. Allez-y avec les autres, je vais les marquer pendant que le boucher il va skipper l'annonce. Parce qu'on reste pour 8 secondes, je suis désolé. Là. Secondes, ouais, c'est ça. La dernière fois, on l'a mis, puis ça a comme été long un peu. Bon, Mike, j'ai dit 3-2 Floride sur le Pops Board. 4-2 Floride, finalement. Des adversaires du Canadien, les Panthers de la Floride. Les Panthers qui comptent. Lève ton son. Lève ton son. Je suis dans le tapis, mon gars. Je peux pas être plus dans la panne. Fermez vos gueules, ça va y aller. Un miracle, dans leur cas. Oui, rappelez-vous la fin de saison que les Panthers ont connue la saison dernière avec 24 victoires lors de leurs 34 derniers matchs. Ça avait fait renaître l'espoir pour cette formation et on avait arrêté finalement les séries par un seul petit point. Et là, cette année, on aurait pu bâtir là-dessus et tenter de construire et continuer de progresser en tant qu'équipe, mais finalement, on a très mal commencé la saison avec 2 victoires seulement en 9 matchs en octobre. Bon, finalement, il a dit bien des choses. Hein? Je vais essayer de l'avancer un petit peu. C'est un bilan de mi-saison, ça, Chris? Oui, ça ressemble quasiment à ça. T'sais, respect à Patrick Friolet. Tu fais du bon travail, mon chum, mais là, c'est parce qu'on a un show à finir, nous autres. T'sais. Écoute, je ne l'aurai pas, je pense. Je le trouverai pas. On l'a. Sur la glace, certain que des fois, tu as besoin des meetings comme ça, mais il faut juste travailler fort et ça devrait bien aller. On a une bonne équipe, c'est juste que je pense que présentement, on est comme flat un peu, on ne travaille pas assez fort et c'est pour ça qu'on peut aller partir. Tu ne vas jamais lâcher, quand c'est trop de bonheur pour dire que tu ne vas pas les séries. Je pense que tu ne sais jamais dans ces glaces, tu peux partir sur une séquence de sport de foot, tu ne sais jamais. Donc, je pense qu'on. On a l'équipe pour le faire, il faut juste travailler fort. Puis je pense qu'on ne l'a pas fait présentement, mais je pense que si on commence à faire attention aux détails et jouer des bonnes parties, on va avoir des chances. Bon, finalement, il n'a jamais parlé de quand il était fâché et qu'il n'était pas content d'être là. Mais c'est ça. Puis tu sais, Huberdeau, il faut faire attention. D'après moi, le prochain update qu'ils vont faire, ils vont le mettre en braille sur la télé parce que c'est incroyable comment ils parlent et qu'on dirait qu'ils sont calistes de tout. Mais c'est ça. Je n'ai pas réussi à trouver l'extrait, malheureusement. Désolé. C'est un fail. Ben écoute, j'en profite pour rappeler au monde qu'on a maintenant une boutique où vous pouvez acheter des t-shirts et des chandails, puis il y en aura de plus en plus. Aucun lien, mais le show fini, il faut que je le plug. Le Pops va me chicaner, sinon. Avec beaucoup d'entrain. Ouais, mais c'est ça. Donc, allez voir la boutique sur le site de www.hockeysanslimite.ca dans l'onglet boutique. Vous allez voir tous les modèles qui sont là pour l'instant. Il va en avoir de plus en plus. Ça fait que achetez-en. À chaque chandail que vous achetez, vous contribuez, bien entendu, à payer les frais de Hockey Sans Limite, qui est un show fait par les fans, pour les fans, bien entendu, et c'est la fin. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Yannick, c'est à toi. C'était Mr. Fun International. Comment il s'appelait, celui qui faisait la lutte, là? Astier, moi, quand je cherche mes mots, je sais faire une joke. Fail encore une fois. Ouais. Bon, on va aller avec les prédictions. Le Pops Board, 31 prédictions au total, 23-8 en faveur du Canadien de Montréal. Les prédictions du chat, Benoît, 4-2 Habs, FL, 4-2 Montréal aussi. Bombers, oh, malheureusement, 5-1 Floride. Ish. Jerry Vardos, 5-4 Habs. Il prédit un festival offensif. Ce serait intéressant, un match de 5-4. J'aimerais ça, moi. Mike, 4-2 Floride. Mike, il prédit souvent les défaites du Canadien. Moi, en tout cas, je suis 25-47. Quand même pas si pire. Je joue 50% de mes prédictions parce que j'ai 25-47. Exactement. T'as compris. Tu viens de comprendre. C'est voilà. Je pense que, pour de vrai, je pense que une fois, je pense que j'ai prédit une défaite. Puis je me rappelle plus c'est quel match. C'est au début de la saison. Là. Ben, tu sais, au début, les attentes étaient vraiment moins élevées. Puis là tu vois, ils ont sorti comme une genre de foulard des Canadiens. Puis c'était marqué si tu y crois, puis si tu y crois, en voulant dire les séries, genre, faut que tu le signes. Là, je vois plein de panélistes à RDS qui commencent à signer ce foulard-là. Je suis comme, ah ouais, ils changent tout d'opinion. C'est bon, hein, ils voient que Price commence à arrêter rondelle. Il faut qu'ils soient comme, ah, OK, ouais, on va peut-être faire les séries. On va peut-être les faire. On les fera peut-être pas. Price, encore une fois. Hein, moi, je vous dis sérieusement que c'est le mois de février qui va décider tout ce mois-là. Et huge pour le Canadien de Montréal. Allez voir le calendrier. Vous allez voir deux fois Toronto. Vous allez voir Winnipeg. Vous allez voir. Écoute, on les affronte toutes. En plus du voyage qu'on s'en va dans l'Ouest, puis on sait que même si Anaheim va pas bien, puis Los Angeles va pas bien. C'est des équipes qu'on arrache normalement contre eux. Donc, le mois de février va dicter le tout. Donc, les boys, vos prédictions, allez-y, vite fait, une minute. Élie? Moi, je pense que le Canadien va continuer sur sa lancée. Hier, c'était un gros step pour la confiance de l'équipe. Je pense qu'on va gagner ce soir 3-1, malgré que ce ne sera pas aussi facile que le pointage semble l'indiquer.
Ben Mike, il dit quand je mets une victoire, t'en parles même pas. Écoute, je parle de tout le monde sur les victoires. Mais Mike, on essaie de pas parler de toi, Chris. On veut pas se faire barrer par tout le monde. Très beau pizza, là. Sam, ta prédiction, vite fait. Septième défaite consécutive pour les Flyers. 5-4 Montréal, une grosse game offensive. Ben écoute, pour ma part, je m'attends à un match, je vais dire un peu, un match serré quand même, mais je pense que Niemi va garder son deuxième match en bas de 3 buts. Je vais y aller 4-2 Montréal, c'est ça. All right, c'est bon ça, j'aime ça. C'est tout pour nous ce soir. Nous, on se revoit vendredi avant match Columbus. On va essayer de trouver un gang. Non, fuck Columbus, hein. Fuck tout le monde. Fuck toutes les équipes sauf les Canadiens. On va mettre ça comme ça. En passant, on va venir. Les Prédateurs. Chicago, même si ça va pas bien. Les Prédateurs sont dans l'Ouest. Je me dis, eux autres, ils peuvent bien aller s'ils veulent. Ça me dérange pas. J'ai pas de haine envers les Prédateurs. C'est une équipe que je suis depuis à peu près 20 ans. Fait que, tu sais, j'ai comme pas vraiment de haine envers l'équipe. J'aime bien le nom de cette équipe-là. Donc, nous, c'est tout pour nous. Merci beaucoup, les boys, d'avoir été là. Merci beaucoup, Sam. Hey, merci à vous autres. Merci au monde sur le chat. Puis, bonne game. Yes, merci beaucoup, le Boucher. Ouais, ben écoute, on a travaillé fort. Puis, les gars ont bien commenté. Puis, ça a bien été. Fait que, go, Habs, go. Puis, fuck les petits chats. Ben, pas fuck les petits chats, mais fuck les panthères. C'est comme des petits chats. En tout cas, bref, fuck eux autres. Élie, je vais te souhaiter de ne pas tomber endormi pendant le match. J'espère ben, écoute, que je vais mettre le son un peu plus fort que d'habitude, je pense, mais ça devrait aller. Ça devrait être pas pire. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Nous, on se revoit vendredi avant match contre Columbus. On vous souhaite un excellent match canadien contre la Floride qui commence à l'instant. Bon match tout le monde. À vendredi. Ciao. Wow. It's Patty. Wow.